Hello, hello! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier tutoriel fleurs de l'année. Je me rappelle quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, le premier tutoriel fleurs que j'avais réalisé était celui des roses en papier. Et c'est aussi le premier set de fleurs Herfeld que j'avais acheté. Et donc, pour ce début d'année, j'avais très envie de vous montrer comment réaliser ces magnifiques fleurs en papier vellum. Regardez comme c'est joli, on dirait du sucre. C'est vraiment très beau, très très beau le vellum. Ça donne vraiment un magnifique effet sur des fleurs. Donc, eh bien, si vous avez envie de réaliser des roses super sympas comme celle-là, eh bien, restez avec moi et on sort les outils. Hop, 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 c'est parti! Pour réaliser ces roses, j'ai déjà préparé tout mon matériel. Donc, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Déjà, en tout premier, le tapis de mousse qui va me permettre un joli tamponnage. Les blocs acryliques, bien sûr. Le principal, le set Herfeld Classic Rose. Alors, nous avons les tampons. Il y en a 4 dedans, dont une feuille. C'est le seul set de fleurs où une feuille est présente. Et ça, c'est génial parce que du coup, il est très complet. La feuille, je vais la tamponner sur papier, par contre, pas sur du vellum. Donc, il va me falloir du papier blanc. Donc, c'est le papier spécial fleurs Herfeld Collection. Il fait 260 grammes. Il est très épais. Et donc, il me faut du papier pour la feuille. Et puis, nous avons trois sortes de tampons pétales. Donc, il y a cinq tailles différentes de pétales dans ces tampons. Et les tampons, je vais, pour les roses vellum, les réaliser sur du cardstock vellum. Alors, attention, ça n'est pas n'importe quel papier calque. C'est du cardstock. Il fait 170 grammes. Donc, c'est le cardstock Herfeld Collection que vous trouvez également par lot de 4 feuilles dans ma boutique. Et donc, je vais utiliser ceci. Nous avons dans le set les dies qui correspondent exactement au pétale, au tampon. Et puis, le mold qui est, pour les classiques roses, à mon avis, à mon idée, indispensable parce que vraiment, il va donner tout son sens à la rose et vraiment avoir quelque chose de très très beau. Et le mold pour les roses, il est juste génial, donc je vous le conseille. Ensuite, qu'est-ce qu'il va me falloir? Bien sûr, le heat gun, puisque je vais embosser le pistolet à embosser. Pour tamponner sur le vellum, je vais utiliser l'encre à pigments blanches Color Box ainsi que des paillettes à embosser blanches. Pour ce qui est de la feuille, eh bien, le papier dont je vous ai parlé, je vais prendre une encre verte. Alors, je l'ai choisi plutôt foncée. Là, c'est une Stampin' Up, mais peu importe la marque que vous allez choisir. Et puis, cet outil, donc, pour pouvoir finir l'embossage de la fleur à la main, donc cet outil avec des embouts ici qui viennent se magnétiser sur le stylet. Et ces embouts font partie, avec le stylet, du Deluxe Flower Shaping Kit Herfeld Creation. Dans ce kit, il y a le tapis pour embosser la fleur. Donc, il est plus grand que dans le set basique. Nous allons trouver dedans 13 embouts avec des tailles de boules toutes différentes. Le crayon, bien sûr. Donc, je vais utiliser ceci pour finir de fignoler ma rose. Et donc, eh bien, nous allons commencer par les tamponnages. Donc, je vais mettre le tampon feuille à part puisque celui-ci, je vais le faire sur du papier. Et ensuite, mes trois tampons pétales. Alors, j'ai pris un grand bloc. Comme ça, je vais pouvoir tamponner
Je pense que je peux tout faire en même temps en utilisant un grand bloc. Si je dispose bien, oui. Donc vous voyez, je prends un grand bloc comme ça, je mets mes trois tampons en même temps. Mais si vous n'avez pas de grand bloc, eh bien vous les faites séparément sur un petit bloc. Et je vais commencer donc avec le vélum. Donc vous tamponnez bien pour mettre de l'encre bien partout. Vous voyez, elle est blanche. Alors pour nettoyer, une fois que j'aurai tamponné, soit j'utilise des lingettes bébé, mais en fait, quand j'utilise cette encre-ci, j'aime bien les passer à l'eau. Donc, je mets tout simplement un petit peu de produit vaisselle dessus. Je frotte avec une petite brosse douce. Je rince bien et comme ça, j'enlève toute l'encre et mes tampons sont comme neufs. Donc déjà, je tamponne ceci. Alors, quand je fais des fleurs, je fais plusieurs tamponnages. J'en fais beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce que comme ça, déjà, j'en aurai suffisamment pour réaliser ce que je souhaite au moment voulu. Mais je pourrai garder mes découpes pour en utiliser par la suite. Donc, j'en fais toujours beaucoup. Alors, je vais poser mon cardstock vélum sur un papier brouillon pour répandre les paillettes et pouvoir les récupérer facilement après. Alors là, je ne vois pas tellement, mais je vois quand même. Donc, je répands généreusement mes paillettes blanches à embosser sur tous les endroits où j'ai réalisé les tamponnages. Ensuite, je récupère mon vélum. Donc, vous voyez, là, on voit beaucoup mieux. Une fois les paillettes mises, je les récupère bien sûr pour ne pas en gaspiller et puis je vais embosser. Et là donc le heat gun est prêt. Je ne vais pas le faire avec la caméra parce que ça va être trop bruyant. Je vais donc embosser hors caméra. Vous bougez pas mal quand vous allez embosser. Pourquoi? Parce que ça chauffe très fort et si vous restez trop longtemps au même endroit, vous allez brûler le cardstock, ça va faire des cloques et ça sera fichu. Donc surtout, pensez à bien bouger quand vous allez embosser. Et puis sur mon papier cardstock spécial pour faire les fleurs, eh bien là tout simplement, je vais tamponner avec une encre verte. Et pareil, je vais faire plusieurs feuilles en même temps. Même si je n'utilise pas tout, je les garderai pour plus tard. Et comme il faut sortir quand même pas mal de matériel, eh bien, j'aime bien optimiser. Et en fait, les fleurs, je les utilise très très souvent. Donc, c'est bien d'en faire plusieurs, beaucoup en même temps quand vous sortez tout votre matériel. Donc voilà pour les feuilles, j'embosse et nous continuons sur le vélum. Donc vous voyez, j'en ai fait beaucoup beaucoup et je voulais vous montrer juste, regardez, ici je suis restée trop longtemps sur le pétale, donc voilà ce que ça fait, ça cloque. Donc ça n'est pas grave, tout le reste là ici est bon, c'est juste celui-ci. Alors là c'est fichu, c'est direction poubelle pour ce pétale-ci. Nous allons maintenant passer à la couleur. Alors, pour le vélum, la couleur, j'ai choisi une encre foncée, rose foncée. Donc, il s'agit de la Pict Raspberry. Pourquoi? Parce que sur le vélum, nous allons colorer à l'arrière. Et pour que la couleur ressorte assez bien en transparence, ne soit pas trop clair, il faut partir sur une base foncée. Donc là, tout simplement, vous allez passer sur l'arrière du pétale et ça va aller très vite à colorer. Regardez, si je retourne, on voit beaucoup moins le rose, mais on le voit bien quand même. On peut laisser sécher un petit peu et repasser une seconde fois pour accentuer encore la couleur. Et donc, je vais colorer tous mes pétales. Alors, on laisse sécher un petit peu parce que le vélum n'absorbe pas l'encre comme le papier. Donc, prenez le temps de séchage. Donc, vous voyez, j'ai un rose plutôt pâle quand je retourne mon vélum. Et c'est ce que je veux. Donc, c'est parfait. Pour ancrer les feuilles, eh bien,
Je vais prendre une encre plutôt claire, la Shabby Shuster de la Shabby Shutters de Distress Oxide. Et là, j'enlève l'excès un petit peu sur le côté et je passe doucement sur toute la feuille sans trop appuyer. Voilà, je vais colorer toutes mes feuilles comme ceci. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais couper toutes mes découpes par lot de tampons. Donc là, j'ai un tampon, là j'en ai un second. Alors je vais colorer avant et puis là j'en ai un troisième. Donc je coupe par rapport à mes dies, les feuilles aussi, et nous allons poser les dies et passer en machine. Donc maintenant que tout est bien séparé, je vais prendre les quatre dies. J'ai préparé du scotch, vous savez, c'est le scotch quand on peint les murs d'une pièce pour masquer. J'utilise ceci parce qu'il n'abîme pas le papier quand j'enlève. Donc c'est nickel. Donc vous posez bien votre dies bien à l'endroit où il faut, vous voyez. Il vient correspondre exactement. Et puis j'attache tout simplement pour que ça ne bouge pas une fois que ça va passer en machine. Alors j'attache des deux côtés. Et puis, chacun des dies, donc vous voyez, va correspondre exactement au tamponnage. Donc là, pareil. Et toujours, j'attache. Donc, je vais attacher mes quatre dies et passer les quatre en même temps, en une seule fois, dans ma machine. Donc, un aller-retour. Vous voyez, les quatre peuvent passer dans une machine à 5. Donc, c'est super. Je vais gagner beaucoup de temps. Donc, vous voyez, il y a un sens. Quand c'est tout bon. Allez, hop, un petit morceau de scotch. Allez, je termine. Je passe en machine et nous continuons. Vous voyez, j'en ai fait beaucoup. Et regardez, s'il reste un petit peu de scotch sur les pétales, tout simplement avec l'ongle, vous l'enlevez et ça ne va pas abîmer le vélum. J'ai sorti le molde qui va bien m'aider pour modeler ces fleurs. Après, si vous modelez à la main, que vous n'avez pas le molde, j'ai pris une boule moyenne et une plus petite. Je vais retourner mon pétale et tout du long appuyer ici sur le tour, comme ça, sur tout le tour de chaque pétale, et puis ensuite au centre pour le relever un petit peu. Mais vous voyez, manuellement, je ne vais pas avoir beaucoup d'effet sur le vélum. Par contre, je vais en avoir avec le mold. Et pour les roses, c'est beaucoup le molde qui fait. Donc, vous voyez, j'ai deux plaques. J'ai beaucoup d'emplacements. Je vais pouvoir faire beaucoup de pétales à la fois. Et ça va me faire gagner beaucoup de temps. Donc, je vais le faire sur un grand. Il y a un sens. Donc, vous voyez, là, super. Ici, ça n'est pas bon. Donc, il y a vraiment un sens pour poser le pétale. Et vous mettez... Vous le mettez à l'envers dans le molde. Et donc, je vais répartir tous mes pétales en les plaçant bien à l'endroit où il faut. Vous voyez, vous tournez jusqu'à trouver l'endroit exact. Donc, vous voyez, je vais pouvoir en mettre vraiment beaucoup à la fois. Donc, je vais remplir tout mon molde. Une fois qu'il est rempli, alors vous voyez, je peux aussi ici venir mettre la feuille, donc je la mets à l'envers. On met tout à l'envers en fait. Et une fois que vous avez placé tout ça, sur le molde, vous avez deux encoches ici. Je le retourne et deux encoches ici de l'autre côté, il n'y en a qu'une. Donc vous faites correspondre les deux encoches, vous refermez. Une plaque transparente en dessous, une au-dessus et ça passe dans la machine tout simplement. Alors moi j'utilise une Big Shot,
Mais dans la majorité des machines, certaines ne sont pas compatibles, mais dans la majorité, ça l'est. Donc, une transparente de chaque côté et ça part. Je vais ouvrir mon mold et regardez, je vois déjà qu'il y a vraiment beaucoup de formes à mes pétales. Donc, je vais tout enlever sur le mold avec le vélum, ça ne s'enlève pas très bien. Donc, je vais m'aider d'une petite aiguille pour décoller tous mes pétales. Et vous voyez là, j'ai vraiment, vraiment un joli, joli modelage. Alors, comme c'est du vélum et que c'est fragile, au passage au mold, certains de mes pétales vont être un petit peu cassés. Mais ça n'est pas grave du tout. Je vais quand même pouvoir les utiliser, vous allez voir. Vous voyez ici, c'est un petit peu cassé, mais je vais pouvoir utiliser tout de même. Donc, j'enlève tout ça. Vous voyez, ça a vraiment, vraiment bien accroché. J'enlève délicatement tous mes pétales. J'ai la feuille aussi, regardez. La feuille aussi, j'ai une bien jolie forme. Et puis, nous allons passer au montage de la fleur. Pour réaliser donc ma rose, je vais prendre deux pétales de chaque taille. Si je veux une petite rose, je ne prendrai pas les deux derniers. Si j'en veux une moyenne, je ne prendrai pas le dernier. Et nous allons commencer par réaliser un bouton. Donc, pour le bouton, eh bien, je prends le tout petit pétale, je le retourne. Et je vais appuyer ici au centre pour bien relever. Donc, plus on appuie, plus on va relever. Et je vais, dans les doigts, imbriquer un petit peu mes pétales. Alors, le vélum ne se travaille pas comme le papier. Mais vous voyez, je vais refermer, mettre de la colle au centre, bien partout. Et là, il va falloir attendre un petit peu que ça prenne. Donc, vous gardez bien votre bouton entre les doigts, le temps que ça colle bien. Et ensuite, je prends le second, je fais la même chose. Et une fois que cette partie-ci sera bien prise, j'ajouterai la seconde. Voilà, j'ai mon bouton de formé. Alors, c'est un petit peu long à prendre, mais je n'utilise pas la colle chaude ici parce que c'est tellement petit que, assurément, je vais me brûler. Une fois que j'ai le premier bouton, eh bien, je vais faire la même chose et la mettre généreusement de la colle bien partout et amener donc mon bouton dedans et de la même manière refermer. Vous voyez, ça se forme déjà. C'est trop chouette. Donc là, pareil, je suis obligée d'attendre patiemment que ça prenne. Et après, je vais pouvoir ajouter les autres pétales à la colle chaude. Maintenant, je ne vais pas encore utiliser la colle chaude. Je n'ai vraiment, vraiment pas du tout envie de me brûler. Donc, je prends les deux pétales suivants et j'appuie ici sur le milieu. Et je vais amener donc mon bouton dedans, vous voyez, comme ceci. Là, on voit déjà bien, bien notre rose se former. Est-ce que j'essaye à la colle? Allez, soyons fous. Voilà, vous en mettez bien partout. Et je viens poser mon bouton. Je vais attendre 2-3 secondes. Et je referme autour. Voilà, le bouton devient un petit peu plus grand. Et là, avec la colle chaude, oui, ça colle beaucoup plus vite, forcément. Je reprends le deuxième pétale. Je fais la même chose et hop, je pose ceci dedans. Alors, attention, pour avoir de jolis pétales, une jolie fleur, vous intercalez surtout les pétales. Donc, ils doivent être en quinconce. Alors, on ne voit pas beaucoup ici parce que c'est petit, mais vous voyez, ici, c'est en quinconce. Ils ne sont pas l'un au-dessus de l'autre. Donc voilà, là, on referme un petit peu. Et puis, je continue. Je vais prendre les deux suivants.
Les filaments de colle sont bien gênants. Donc, pareil, j'appuie sur le milieu pour relever un petit peu ma colle. Donc, j'en mets un peu au centre, mais je déborde sur le début des pétales. Et j'amène le reste. Alors, toujours en tournant pour être bien, bien en quinconce. Voilà. Et c'est le deuxième qui va tout faire, en fait. Regardez. Je viens le mettre là où j'ai des trous. Comme ceci. Voilà. Vous voyez? Et là, ça va être chouette. Si je le souhaite, je peux m'arrêter là. J'ai une petite rose déjà très jolie. Regardez. Voilà ce que j'obtiens. Et je peux, si je le souhaite, continuer encore. Donc, je reprends les deux pétales suivants. Et on continue. Donc, la colle, j'en mets un peu sur le début du pétale. Et je viens poser toujours en quinconce ma rose dessus, vous voyez, et attention, la colle chaude, ça va sécher plus vite, mais vous pouvez encore tourner un petit peu, donc tournez jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré, et il me reste à mener le second. Les petits filaments, c'est très embêtant. Mais bon, ça, je vais les enlever à la fin s'il y en a sur ma rose. Quinconce. Et regardez, là, vraiment, je commence vraiment, vraiment à avoir une très, très belle rose. Je peux m'arrêter ici aussi. J'aurai une taille moyenne où je continue encore. Donc, j'appuie sur le milieu. Là, je vais prendre la boule la plus grosse. Et plus j'appuie, plus je remonte. Et j'amène l'avant-dernier pétale. Hop, on pose. Vous tournez pour avoir ce que vous souhaitez comme résultat. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup de patience de réaliser des fleurs. Mais franchement, j'adore ça. En général, quand je fais des fleurs, eh bien, j'y passe 3-4 heures facilement. Et là, j'amène le dernier. Toujours pareil. Je vais poser ici. Donc, vous voyez, je tourne. Et là, ça me convient. C'est parfait. Et donc, vous voyez, si je mets les feuilles autour, voilà ce que j'obtiens vraiment en vélum. C'est très beau, on dirait du cristal. Je vais recoller de nouveau. Ça n'a pas bien, ça s'est décollé. En tout cas, voilà comment réaliser une bien jolie rose en papier vélum. J'ai réalisé 3 autres tailles de rose pour pouvoir faire un joli arrangement et aussi 3 feuilles. Je vais faire briller un petit peu avec mon cristal clear. Alors le cristal clear, c'est des plus petits contenants, mais moi j'ai regroupé plusieurs, je crois que j'en ai mis 2 ou 3 petits contenants. J'ai acheté une grosse boîte. Pourquoi? Parce que dans une grosse boîte, je vais pouvoir tremper directement mes fleurs. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis, je l'utilise vraiment énormément souvent. C'est ce qui rend le plus bel effet sur les fleurs. Donc, j'ai acheté 3 pots et je les ai mis dans un seul grand. Je vais faire briller les feuilles. Alors, je vais mettre les fleurs de côté pour l'instant. Je prends un petit peu de ma colle qui sèche clair sur le côté. Donc en enlevant l'embout métal, avec une éponge, je vais tremper dedans, enlever l'excès et appliquer de la colle sur mes feuilles. Alors pas trop, vous enlevez s'il y en a trop.
Et puis, eh bien, je vais tremper directement, vous voyez, dans mon gros pot. Je vais gagner du temps là aussi également et je vais laisser sécher. Alors, si vous n'avez pas un gros pot, eh bien, tout simplement, vous allez saupoudrer le cristal sur votre feuille brouillon. J'enlève celle-ci. Oups! Ça colle tout ça. Et on saupoudre de cristal. Et je vais avoir donc exactement le même résultat. Vous voyez, ça brille. Je laisse sécher. Alors je vais récupérer tout de suite tout ça pour ne pas en gaspiller surtout. Et puis pour la fleur. Alors pour la fleur, je vais en mettre moins. Donc je vais juste tapoter un petit peu. Mais léger. Vous voyez, vraiment léger. Parce que c'est du vélum, donc c'est déjà très joli. Et puis, donc pareil, soit vous saupoudrez, soit moi je vais directement tremper ma fleur dans le pot. Alors pour l'instant, on voit beaucoup de blanc, mais pareil, je laisse sécher. Je vais continuer avec tout ça pour mettre la petite touche brillante. Et puis, ce tutoriel sera terminé. Je laisse sécher, je vous montre le résultat final. Eh bien voilà, nous avons terminé. Regardez comme ça, c'est joli sur du vélum, c'est magnifique. On dirait du sucre, je ne sais pas trop en fait. C'est vraiment très beau le vélum. Et regardez, oh là là, j'adore sur une carte ou sur une couverture d'album, ça va être juste magnifique. Donc après, pour faire l'arrangement, eh bien, vous placez vos feuilles à l'arrière. Et puis, on vient positionner tout simplement les fleurs un petit peu en quinconce, les unes entre elles, pardon. Vous voyez, voilà, là j'ai un superbe arrangement. J'espère que ce tutoriel rose vous a plu autant qu'à moi. Et que vous allez avoir envie d'en réaliser à votre tour. On peut vraiment, vraiment faire des fleurs magnifiques avec Erfeld et qu'on ne trouve absolument pas dans le commerce. C'est ce qui fait leur charme. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite de belles créations qui vont vous donner beaucoup de scrap bonheur. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!